bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, regardez derrière moi, les Hoopers, ça y est, c'est fini, c'est fait. Je suis très content, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre survie modée en 1.16. Alors les amis, je tourne cet épisode à la suite du dernier, donc si jamais vous n'aimez pas le shader, je suis désolé, mais il est encore là, du coup pour cet épisode. En tout cas, j'espère quand même qu'il vous plaît. Et donc pareil pour la facecam, du coup, je suis désolé, je me suis permis donc de pas la mettre si vous vouliez quand même que je la mette. En tout cas voilà, le prochain épisode ce sera réglé, je me plierai à vos envies, est-ce que vous voulez la facecam ou non, et est-ce que ce shader vous plaît ou est-ce que vous préfériez l'autre. Donc voilà les amis, j'ai eu assez de Hoopers pour terminer tout ça. Alors tout fonctionne hein, c'est-à-dire que vraiment tout est relié. Le seul problème, j'ai dû enlever la Feeling Truth, puisque ben logiquement je vais juste vous montrer quand même, c'est que ben le problème c'est que elle était là tout simplement, hop, et donc forcément c'est logique, c'est que si maintenant je mettais des graines, hop, et ben ça partait illico presto et ça partait tout simplement dans les Hoopers. Donc j'attends juste que ça revienne, c'est quand tu veux mon pote, il est très long le système, voilà c'est bon. Donc malheureusement ça ne peut pas, ah bah voilà je me suis fait carotte, ça ne peut pas fonctionner. Donc je l'ai mis sur la rambarde, on verra si ça fonctionne ou pas. Est-ce que les poulets arriveront à l'atteindre? Dans tous les cas c'est vraiment pas important, on n'a pas besoin de les faire reproduire en masse. En tout cas au début oui, mais après il n'y a plus besoin. Mais si jamais, on verra si ça fonctionne ou pas. Aujourd'hui on va les faire repop. Mais avant ça j'ai envie du coup de faire ce système avec le charbon. J'ai encore assez de Hoopers, j'ai encore du fer qui est en train de cuire. Du coup on va faire ce système de charbon tout simplement. Alors d'abord pour savoir où est-ce qu'on va mettre le coffre, et eh bien c'est ce qu'on va regarder. D'ailleurs j'en profite pour prendre les derniers fers qui traînent. Là j'ai masse poulet du coup qui traîne également, ça fait plaisir. Donc alors j'ai pas besoin de faire un double coffre hein, pour le charbon de toute façon. Yop. Donc c'est ici que ça fait plaisir de voir ça. J'ai envie que ce soit pas loin, mais en même temps ça peut pas être à coller, sinon ça va être compliqué. Je réfléchis. J'ai pas réfléchi en off pour le coup. Bah ouais en fait je pourrais mettre là en fait, ça serait camouflé derrière ce mur. C'est pas grave, je m'étais embêté à faire des cobblestone brick vertical slab. Mais c'est pas grave, on va faire ça là. Voilà, ici ce sera le charbon à mettre, c'est juste à côté, c'est impeccable. Donc, hop. C'est parfait. On va faire monter ici et en plus regardez, ah bah ouais. Mais le problème c'est qu'il y a la mine juste à côté. Attendez, laissez-moi checker. Est-ce que les poulets ils sont où? Ah ouais non mais c'est le problème, c'est que les poulets ils sont avant. Ah non ils sont là. Ah ouais coup dur. J'ai envie que ce soit rentable. Si je creuse en dessous il se passe quoi là? Ah ouais c'est chaud. Ah oui puis en plus je peux pas faire remonter les trucs. Donc attention quand même. Il faudrait que ça arrive ici. Là. C'est pas dans le bon sens, hein, je le sais très bien. C'est normal. Mais juste pour avoir une idée. Voilà, faut que ce soit à cette hauteur. Très bien. Et après, moi, je veux que ça arrive. Ok, non, si, ça va le faire. Ça va le faire, du coup. Ça nous permet de savoir. Tac. Et là, normalement, si tout se passe bien... Voilà, si tout se passe bien, ça se passe pas bien. Attendez, bougez pas. C'est où que je voulais faire? Là. Oh, attendez, c'est fantastique. Juste là. C'est juste à côté. C'est juste ici. Là, on est à la surface, par contre. Ah, c'est pas là, c'est à côté. Voilà, on va y arriver les amis, j'espère que vous allez bien, n'oubliez pas le pouce bleu d'ailleurs si ça vous plaît toujours. Voilà, donc... Ah mais non, mais ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, je suis en tocard, excusez-moi. Bah oui, parce que même si... Bah oui, ça peut pas marcher. Ça existe... Comment on fait les impulsions et tout? Non, c'est compliqué et tout pour faire des Hoopers, impulsions, machin et tout. Ah ouais, non, c'est relou. Ah oui non non j'avais pas pensé à ça, non non il faudrait que ce soit à la même hauteur ou que ce soit juste plus haut. Mais là le coffre il est en dessous, bah oui non bah laisse tomber. Ah bah non bah oui bah laisse tomber, bah dans ce cas là on mettra, bah oui bah laisse tomber. Dans ce cas là on va mettre manuellement ici directement, genre je mets le coffre là. Mets le Hoopers. Comme ça, bam. Voilà ouais, laisse tomber c'est pas grave. Allez, le système était éclaté. Voilà. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Si je mets le charbon? Non. Il s'est bloqué ici, le salaud. Pourquoi il s'est bloqué ici? Non, mais où?
Pourquoi tu t'es bloqué? Je fais ça. Pourquoi il se bloque? Ah, attendez. C'est dans l'autre sens qu'il faut faire. Hop. Et ça. Hop. Voilà, et là maintenant, si je mets le charbon, il est dans le four. Ok, c'est bon. Bon bah voilà, malheureusement, mais tant mieux, c'est même presque mieux, mais c'est vrai que j'avais vu un truc beaucoup plus colossal. Ça se trouve, en commentaire, vous me l'avez dit. Mais tant mieux, tu vois, genre, faut mieux. Donc voilà, là, je vais pouvoir tout camoufler. Bah tout est, en fait tout le système est fini, j'ai plus rien à faire. Là on met le charbon tout simplement. Permettra également de faire reproduire si je veux bah, les poulets. Et puis alors par contre j'ai juste rebouché toute la catastrophe du coup que je viens de faire. Donc ça je vais pouvoir enlever. Tant mieux, je vais pouvoir remettre d'ailleurs mes petites verticales slabs. J'avais mis comme ça. Voilà, ni vu ni connu. Beaucoup mieux comme ça. Et bah les amis, hop, la petite dirt qui vient de nulle part. Ça c'est bon, on va pouvoir faire reproduire de nouveau bah, les poulets, enfin les faire réapparaître. Du coup, bah, de toute façon niveau nourriture on est très très bien. Du coup on va profiter d'avoir tous les œufs pour les faire spawn hein, tout simplement. Ouais, du coup j'avais de la marge au niveau des hoopers, tant mieux. Salut les vaches. Est-ce que j'ai des graines en rab? Oui j'ai des graines, comme ça on va pouvoir expérimenter si ça fonctionne ou pas. Voilà, ça suffira. Bah non mais je vais tout utiliser les amis, hein, puisque de toute façon après tout va être automatisé, donc hein, autant en profiter. Hop. Du coup, c'est parti. Reproduisez-vous. Enfin, oui. Je veux dire. Ah, bah c'est bien avec Inventory Twix, c'est automatique. Regardez, j'ai 160 œufs à lancer, donc c'est bon. Voilà. On se fait plaisir. J'espère que ça vous plaît. Alors voilà, j'en profite aussi d'avoir encore ce shader parce que je vous ai pas encore vous montré. Pardon, je vous ai pas encore montré avec ce shader, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je changerai. Mais vous allez voir, la nuit, c'est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup la nuit. Tout simplement. C'est vraiment mignon. On voit les étoiles qui apparaissent un petit peu et. Et voilà, on a encore un petit stack. Je crois qu'on va avoir largement assez de poulets, hein, si vous voulez mon avis. Et plus que 12. Voilà, faites-vous plaisir. Du coup, on va pouvoir mener l'expérience. On retient qu'ici, je mets 9 wheat seeds. Donc on verra si au fur et à mesure, ce sera vidé ou pas. S'il y a toujours les 9 seeds, c'est que ça n'aura pas marché, tout simplement. Voilà. Bon là, ils sont petits, donc voilà. Donc on verra au fil du temps. Et donc là, on n'aura plus qu'à mettre le charbon. Et on verra notre... Bah notre réserve s'agrandir. Regardez ce petit coucher de soleil. Et regardez voilà l'effet de lumière. J'aime beaucoup. Ça éblouit un petit peu mais j'aime beaucoup. C'est bien sympa. Donc voilà. Alors du coup on va en profiter aujourd'hui les amis pour se balader. Hein. J'ai envie qu'on reste dans un épisode chill aujourd'hui également. On va juste se balader, voilà, découvrir des nouveaux horizons dans une direction dans laquelle on n'est pas encore allé. J'ai beaucoup trop de cobble. Donc on va en jeter, d'où l'intérêt d'avoir fait une poubelle. Bon après j'ai d'autres coffres hein. En attendant c'est vrai que hop, on va mettre ça un peu n'importe comment. Faudra que je trie en off, je vous rassure. Voilà, on a plein de poulets sur nous. On est vraiment très très bien. Du coup voilà, on va pouvoir se promener. Ah oui d'ailleurs, oui je vous avais pas fait remarquer mais voilà j'ai mis ce truc. C'est quoi, c'est les cave routes, voilà c'est ça, je me suis fait un petit plaisir, voilà tout simplement. Ok, du coup on est bon, je vais en profiter parce que j'ai du charbon ici. Hop, je vais en profiter pour mettre ça dans le coffre directement. Et comme ça quand on reviendra de balade pour les prochains épisodes, et eh ben on verra tout ça. Est-ce qu'ils ont piqué? Non ils ont pas encore piqué. Hop hop, impeccable. Mais ouais parce qu'après ça se remplit automatiquement. Si je remplis tout le coffre, mais ça va être génial. Oh là là. Oh, mais niveau nourriture on va saturer hein. On va se faire des réserves incroyables. Donc regardez la nuit. Comment elle est belle, comment elle est mignonne. Sous l'eau également, c'est mignon. Bon là, il fait nuit, du coup, il n'y a pas grand-chose à voir. Dans mon backpack, j'ai un bed. J'ai tout ce qu'il faut. On va dormir en plein air. Voilà, hein, on se fait un petit camping. Oh non! Ah! Les zombies arrivent! Ah! Au secours! Ils m'ont fait peur. Ça dégage. Dégagez, hors de ma vue. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Voilà, allez, on s'arrache. On s'arrache du coup les amis, on va se balader tranquillement, on va voir si on peut pas explorer bah, par là-bas du coup, puisqu'on est déjà parti par là-bas, mais on n'est jamais encore allé par là-bas. Ah oui, alors attendez, si jamais on croise des renards, je vais prendre des baies. Vous m'avez dit qu'il faut s'en approcher en sneak, donc voilà, tant qu'on y est, hop, je vais prendre des baies. Des baies. Hop, voilà, bon j'en ai 5, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme, mais ce sera déjà ça, voilà. Donc on va voir si on peut découvrir des nouveaux trucs. Ça, je jette, j'en ai rien à faire. Si on peut découvrir des nouveaux trucs, je sais pas, des nouveaux animaux, des... Voilà, tout ça. Je sais qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Des nouveaux biomes, surtout, bien évidemment. Donc voilà, on va un petit peu profiter une petite dizaine de minutes pour voir ce que la vie peut nous offrir, tout simplement. Et regardez ces petits champignons bleus, là. Hein? C'est pas mignon, là? On dirait les champignons du Nether.
Voilà, et ça c'est juste à côté de chez nous, donc autant un petit peu découvrir. Oh, et les bruits d'ambiance qui changent. Oh, c'était beau, hein. Sous l'eau, c'était beau. Ok, c'est bizarre parce que le bruit n'est pas vraiment en rapport avec ce qu'on voit, si je puis me permettre. C'est quand même un biome champignon, là il nous parle de... On a l'impression qu'on est dans une grande forêt magnifique de type avec plein d'oiseaux. Bon, je suis pas spécialement d'accord avec ça, hein, mais... C'est mignon quand même. Bon, c'est pas ici que je m'installerai, hein, clairement. Mais je suis content de notre petite base, hein. À la base, c'était une base temporaire. Enfin, j'avais dit que ce serait une base temporaire et finalement, je crois qu'on va y rester un bon moment. Après, comme dit, voilà, c'est le principe de la série, c'est que c'est sans prise de tête. Je fais vraiment ce que je veux, quand je veux. Donc, si j'ai envie de partir, recommencer ailleurs, je le ferai. Voilà, la série pourrait durer 100 épisodes comme elle pourrait durer 50 épisodes ou 25. Attendez, je crois qu'on a dépassé les 25 épisodes. Non, je sais plus, je suis perdu. Oh! Ah ouais, regardez, c'est mignon, hein. Voilà. C'est plutôt mignon. Bon, là, à mon avis, on est vraiment dans une sorte de petit marécage un peu. C'est pas spécialement ce qui me plaît le plus, hein. On n'a pas. Voilà, c'est pas là qu'on va découvrir grand chose. Donc, on va repartir par là-bas pour retrouver la terre ferme. Et écoutez-moi ça. Un peu d'ASMR. Ah, par contre, faut respirer aussi, hein. J'ai enlevé le F1 parce que c'est vraiment beau. Hein. Franchement, c'est quand même beau. Hein. Hop, le petit screenshot. C'est quand même vachement beau. Hein. Et sous l'eau, hop, on est reparti. Oh là là. M-Colo ASMR. Je veux que vous mettiez tous en commentaire M-Colo ASMR. Hein. Hop, on va éviter de se noyer. Putain, par contre, bonjour pour retrouver la terre ferme. Là, je me suis mis dans une sauce. Ah, faudrait que j'aille par là-bas. Ah, ou par là-bas, il y a de la terre, c'est bon. Je sais pas. Oui, si, il y a de la terre. On va y arriver, les amis. Après, il y a des nénuphars, hein, c'est pour faire du parcours, c'est bien. Je suis content d'avoir ajouté Ambient Sound. A voir également si ça fait pas tout planter, mais pour peut-être voir si je peux installer d'autres modes. Pourquoi pas, ça peut être aussi sympa. Voilà, c'est ça. Vraiment, j'ai juste pas envie de me prendre la tête avec cette série. C'est pour ça. On se fait plaisir, on n'est pas... On n'est pas restreint, on n'est pas enfin, voilà, on n'est pas catégorique, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc c'est vraiment cool. J'aime beaucoup cette série, vous le savez, hein, vous le remarquez, vraiment n'ayez aucune crainte là-dessus, quoi. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de vues, mais vous suivez également la série et moi je l'adore et donc c'est pour ça que je la continue. Donc c'est juste que du bonheur. Que du bonheur. Un petit biome normal. On va continuer. On est sur la terre ferme, c'est bien sympa. Oh, oh non, je n'en la faute, j'ai pas pris d'os. Non. Oh, je suis deg. Il y a des loups juste ici. Bon, au moins on le sait. Au moins on le sait. Oh, je suis deg. Salut les petits loulous. Est-ce que tu manges des œufs? Non. Putain, des baies? Non. Ah, oh, je suis deg, il y en a tout plein en plus. Dommage. Ah, la faute. En plus, j'ai des œufs chez moi. Oh, des abeilles. J'ai pas Silk Touch. Bon bah malheureusement, on a un biome sapin. On va quand même continuer par là. Ah, il y a du sable. Oh là là, c'est mignon. Il y a pas un petit squelette là qui traîne, tu vois. Ah, je suis deg, je savais que j'avais oublié quelque chose. J'avais pris des baies, mais il y a pas un squelette là, bonjour. Non, il y a pas de squelette. J'ai hâte de vous dire le nom que j'aimerais donner à mon loup, quoi. C'est une idée de type original. Alors j'ai découvert qu'il y a vraiment des loups qui s'appellent, enfin des chiens qui s'appellent comme ça dans la vraie vie, donc j'ai trouvé ça, enfin voilà, je me suis trouvé un peu moins original. Regardez le shader dans les mines, comment c'est génial, regardez comment on voit bien. Ça fait une mise au point, vous voyez, il y a une mise au point qui se fait. C'est-à-dire que c'est sombre au début et quand tu rentres c'est clair. C'est pour ça que j'aime bien ce shader. Bon, j'ai hâte de connaître vos retours. Voilà, en fait je regardais juste s'il n'y avait pas un squelette, mais regardez, on voit super bien. Dans, voilà. Alors qu'en vrai il fait noir et tout, donc c'est super cool. Bon allez, on ressort, il n'y a pas de squelette, hein. Ça m'a saoulé. On ressort. Je ferai le trajet en off du retour. Ça se trouve, je croiserai des squelettes en vrai avec la nuit qui va tomber. Il y a plein de loups. Oh là là, c'est génial. Oh. C'est trop bien. C'est trop bien. Au moins, on retient par là-bas, on a des loups. Donc on pourra en rechercher à tout moment, quoi qu'il arrive. Alors. On est dans des montagnes. On entend un petit peu le vent. Le vent qui souffle. C'était le vent de l'eau, visiblement. Enfin, le bruit de l'eau qu'on a entendu. Oh.
très bien. C'est très linéaire par ici. Hein. Ah, j'ai un seau d'eau, attendez. MLG. C'est très linéaire. Hein. Ça a été généré de type... Ah oui, regardez-moi ça. Oh, attendez, bougez pas. Désolé, désolé la poulpe, mais il me faut du colorant, j'en profite, hein, si jamais. Enfin, il me faut... Au moins, ça me pourra me servir. Et reviens. Reviens. Ah. Voilà. J'avais toujours cru à l'époque que les poulpes étaient méchants et qu'ils nous attaquaient, voilà, sachez-le. J'avais toujours peur quand j'étais petit. Je pensais que ça, vraiment, que ça mordait ou quoi, tu vois, genre... Je trouvais ça méchant, voilà. En même temps, ils ont pas une tête très gentille. Et pourtant, c'est des victimes. Victimes bolos. Hop. Là, on a une mine, bonjour. Une faille, même, je pense. Non, c'est juste une mine. Il y a du fer, hein. Très sincèrement, je crois que au retour, je vais un petit peu checker les grottes, hein. Juste pour prendre du fer. Parce que c'est vrai que ça part vite, hein, vous avez vu. Bon, là, on est bon, tu vois, j'ai plus besoin de Hooper. Mais c'est vrai que ça part vite. Oh, regarde, c'est mignon. Non, en vrai, j'aime bien ce shader. Donc, j'en profite un peu. Dans le cas où vous ne l'aimez pas. Et ça se peut, du coup, depuis le début, vous dites que vous l'aimez bien, et tant mieux. Oh, regardez cette plaine, on est en hauteur, on est quoi? On est couche 96, on est dans une plaine à une très grande hauteur. Il y a des lamas, bonjour les lamas. C'est quoi? Violette. Ah bah pour des colorants, bah voilà, attendez, par contre je vais me servir, hein, très sincèrement, parce qu'on va pas souvent se balader ici, donc j'en profite. Hein, pour des colorants mauves, ça pourrait être très sympa. Voilà, mais je pense que je vais récupérer pas mal de choses en off sur le chemin du retour, genre voilà... Tout ce qui est fleurs, etc. Je vais aussi prendre les roses là-bas. Ça peut être sympa. Puis c'est mignon pour la maison aussi. Voilà. Très bien. En tout cas, on entend le vent. On est à une haute altitude. Hein. Ah, c'est pas vraiment une plaine. Bien au contraire. Waouh. Mais c'est beau. Je sais pas c'est quoi la miniature de la vidéo, mais... Je vais faire plein de screenshots, ça c'est clair. Salut les cochons. Y'a pas des grenouilles? Y a pas des grenouilles? Dommage. Oh! Une nouvelle forêt. Une forêt de type automne. Eh ben, on va y aller. Voilà. Hop, la fleur rouge. C'est pour moi. Des citrouilles. Bonjour les vaches. Ça me fait presque peur, les bruits. Oh, c'est beau, c'est paisible. Coucou! Coucou! Les petits craquements, là, qui rongent le... Les, je sais plus c'est quoi là, avec leur bec là, les oiseaux là qui rongent les arbres, le bois, et ça fait les craquements, les crrrr. Oh, j'ai fait une très très belle imitation. Je pense que vous êtes tous d'accord pour le dire. Oh, c'est bien mignon. C'est bien mignon, bien mignon. Ok. D'ailleurs, vous m'aviez donné des astuces également, hein. J'ai pas oublié, je vous rassure, mais apparemment dans le Nether, les loups ne spawnent pas, enfin les loups méchants ne spawnent pas sur un certain type de bloc qui sont similaires à la netherrack. Mais c'est de la netherrack qui est d'une couleur, je crois, bleue ou rouge, je ne sais plus. Enfin non, du coup c'est bleu, je crois. Et du coup ça peut être pas mal. Et j'ai cru comprendre en cherchant sur internet, j'ai cru comprendre que en mettant de la bonne mille sur de la netherrack, oh yes, en mettant de la bonne mille sur la netherrack, on peut faire apparaître ces blocs là et du coup on pourrait se faire une zone safe. Apparemment, après ça reste à essayer. Alors j'y vais en sneak avec mes bébés. Petit renard. Oh, il dort. Bonjour petit renard. Hop. Bah, y a pas d'autres petits renards. Allez, je prends ça. Petit renard. Non mais il me fuit. Petit renard. J'essaie de communiquer. Petit renard. Hop! Oui! Fais l'amour avec quelqu'un que tu ne connais pas! Bah. Mais pourquoi vous me fuyez, bande de. Bah. Moi, ouais, je comprends rien, j'aurais essayé. Bon, au moins, je vois qu'il se laisse quand même un peu plus approcher quand on est en sneak. Ce qui est assez sympa. Et là, on va se rafraîchir puisque nous sommes dans un biome de type glacial. Bonjour. Bon, on va s'en arrêter là, les amis, hein, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. C'est bien sympa. Oh, il y a toutes les citrouilles quand même, what the fuck. Oula! Ça fait peur presque, hein. Non, non, mais moi je vais rentrer en off. Mais il est hors de question que... Non, non, je vais dormir. Hein. Très clairement, je vais passer la nuit pour rentrer à la maison. Hein. C'est mort, je vais pas... J'ai beaucoup trop peur. Bref, les amis.
C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. En ayant suivi vos commentaires, bien évidemment, avec cette magnifique vue pour cette fin d'épisode. N'oubliez pas le pouce bleu, c'était Mkolo, on entend les mouettes. Ciao ciao tout le monde!